Bonjour. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous pouvez modifier ou bien rectifier le texte du sous-titrage qui pourrait être ajouté à une de vos vidéos que vous allez mettre sur YouTube. Il faut savoir que lorsque vous allez mettre une vidéo sur YouTube, le sous-titrage est ajouté généralement automatiquement ou bien on ne fait pas attention lorsque on ajoute une vidéo pour désactiver le sous-titrage si on ne veut pas le mettre à la disposition des internautes. Je vais prendre une vidéo qui a été diffusée depuis janvier 2021 sur YouTube et on va essayer de voir le sous-titrage qui est disponible sur cette vidéo et comment on peut le modifier. Donc voilà la vidéo, on va essayer donc de fonctionner. Donc la vidéo est actuellement en train d'être visualisée. On voit que ici il y a le sous-titrage qui apparaît. Voilà, donc il y a certainement des erreurs au niveau du texte. Ces erreurs, nous pouvons les rectifier en intervenant sur le sous-titrage des vidéos. On va essayer d'aller sur le bouton modifier la vidéo. Au niveau de la modification, on a la possibilité d'aller agir sur le sous-titrage qui est là. D'ailleurs, si on veut désactiver le sous-titrage, on peut aller vers cette interface directement au niveau de ce bouton-là et choisir le bouton au lieu de français qui est par défaut pour ma chaîne YouTube. Donc, je vais cliquer sur non applicable qui est là. Et donc, du coup, j'aurai aucun sous-titrage au niveau de ma vidéo. Mais si je veux garder le sous-titrage et je veux rectifier le texte qui est disponible, à ce moment-là, je vais aller vers sous-titrage. Et là, je trouve le sous-titrage qui a été ajouté le jour même de la vidéo. Je peux intervenir pour le rectifier. Donc, je peux cliquer à ce moment-là sur dupliquer et modifier. En cliquant sur dupliquer et modifier, l'interface m'informe que le brillant initial va être remplacé par le texte que je vais ajouter. À ce moment-là, je vais cliquer sur continuer. J'aurai au niveau de là, en fait, c'est le texte qui est directement extrait du son de la vidéo. Pour avoir plus de visibilité, nous allons cliquer sur appliquer des horodatages. Donc, je vais avoir un découpage en termes de temps et en termes de plage chronométrée. À ce moment-là, j'aurai la possibilité d'intervenir directement. Là, par exemple, la chaîne éditoriale, par exemple, là, donc je peux changer. Il ne s'agit pas de Europe, il s'agit de Opal. Donc, je modifie ça. Par exemple, là, bonjour, je vais m'écrire en majuscule. En fonction des modifications, par exemple, ce texte-là, je veux le supprimer. J'aurai la possibilité de cliquer pour le supprimer. En fonction de ça, je peux avoir plusieurs modifications. Si je veux ajouter un sous-titrage aussi, je peux le faire. L'ajout pourrait être à n'importe quel emplacement. Par la suite, je peux déplacer en fonction de cette plage horaire, sinon je le supprime. Ça, c'est pour l'ajout de la modification du texte. Au niveau de la modification de texte aussi, j'ai la possibilité de télécharger le sous-titrage. Donc, je peux carrément télécharger le sous-titrage en format de fichier SBV. Ce format-là peut être utilisé en local ou bien sur mon ordinateur avec d'autres logiciels qui vont permettre le développement ou bien les manipulations des vidéos en local. Voilà, dans d'autres vidéos, je vais vous donner d'autres informations par rapport aux options de sous-titrage. Je reste à votre disposition en cas de besoin. Merci.